Bonsoir, bonsoir mes chers abonnés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons faire la prière du psaume 59, le psaume 59 qui est un puissant psaume de protection où nous demandons l'aide de l'Éternel par rapport à toutes les situations difficiles que nous traversons dans nos vies. Ce que vous me voyez utiliser là, c'est l'huile d'olive consacrée que j'utilise chaque soir quand je commence la prière. Pourquoi le psaume 59? Le psaume 59, c'est un psaume qui a été utilisé par, par le prophète David, qui il a été utilisé pour demander à l'Éternel son secours par rapport aux hommes violents, par rapport aux personnes qui complotent contre lui. Ce psaume-ci vient renverser tout le complot du méchant, tout le complot de l'ennemi qui, dans l'invisible, s'assoit et il commandite les choses contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Pourquoi ce psaume? Parce que nous connaissons, vous connaissez bien comme moi, que nos combats sont en même temps les combats physiques et les combats invisibles. Dieu qui est tout-puissant, qui peut lire dans le cœur des hommes, qui peut écouter ce qu'on n'écoute pas, qui peut voir même dans l'obscurité, qui peut percer tout le mystère des hommes, il pourra nous protéger et battre le combat pour nous par rapport à tous les complots de nos ennemis et mettre au sein de nos ennemis la confusion, qu'ils ne puissent pas comprendre que tous ceux qui sont en train de comploter, déjà ça ne marche pas, mais ils vont s'entre-cogner des têtes. Ils vont s'entre-bagarrer, ils vont s'entre-batailler parce que leur complot va être voué à l'échec. Déjà, si vous écoutez cette prière de ce soir et que vous avez des batailles dans vos vies, vous avez des difficultés, vous avez des complots que vous êtes en train de traverser dans vos vies, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo de mettre en commentaire vos sujets de prière que nous allons porter dans la prière. Écrivez aussi en commentaire: Éternel, défends-moi contre les complots, contre tous ceux qui complotent sur ma vie, contre tous ceux qui en veulent sur ma vie. Un commentaire ou une parole de foi, c'est une manifestation de notre croyance en ce que Dieu peut faire pour nous. C'est très important. C'est un signe qui montre que nous avons confiance en l'Éternel et que son intervention puissante peut faire des miracles dans nos vies. Voilà, ce soir, mes chers abonnés, nous allons prier, lire le psaume 59. Quand vous finissez de lire le psaume 59, vous pouvez prendre votre huile d'olive consacrée, mettez votre huile sur vos mains, essuyez votre visage avant d'aller vous coucher. Prions. Psaume 59, au chef des chantres, ne détruis pas hymne de David lorsque Saul envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, les hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens,
Ils font le tour de la ville, voici de leur bouche ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par la puissance, par ta puissance, et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pèche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant leur nourriture et y passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Si tu as lu ou tu as écouté ce psaume 59 avec moi du début jusqu'à la fin, tu peux dire Amen, Amen, ou tu peux écrire en commentaire Amen, Amen. Je viens t'inviter, après avoir fait cette prière, de faire une courte prière toi-même où tu dis à l'Éternel, au Dieu puissant, au Jéhovah Yahweh, parle à ton Père, dis-lui vraiment, comme c'est écrit dans le psaume 59, que tes ennemis, tous ceux qui en veulent contre toi, tous ceux qui se lèvent contre toi, tous ceux qui sont violents contre toi innocemment, ils se lèvent dans l'obscurité pour pouvoir te combattre. Que l'Éternel vienne au-devant d'eux dans sa bonté et qu'il puisse vraiment les disperser. Qu'il puisse se lever et châtier toutes les nations et qu'il n'ait pitié d'aucun de ses ennemis, d'aucun de ses méchants infidèles, qu'il en veut à ta vie et qui complote contre ta vie dans l'obscurité. Je t'encourage fortement ce soir, pendant ta prière, même après que tu as lu le psaume, de faire des déclarations sur ta vie en t'appuyant dans tout ce qu'il y a dans le psaume 59. Tu vas témoigner de la gloire du Dieu d'Israël. À la fin, prends un peu de cette huile d'olive, mets sur la paume de tes mains et frotte cette huile d'olive entre tes paumes de main, essuie tes mains et ton visage et va te coucher. Sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel puisse être avec toi, que l'amour de l'Éternel puisse t'accompagner, que les anges et les archanges de l'Éternel puissent être avec toi pendant toute ta nuit. Sois béni et restauré dans tous les domaines de ta vie, et que tes ennemis, tous leurs complots puissent être voués à l'échec au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Shalom.